Marjorie Martinez, première partie du concert de Robin McKen ce soir au Forum Nice Nord. Alors, nouvelle formation internationale, puisqu'il y a un bassiste brésilien, ouais. Gilbert Lopez, un guitariste suédois, Linus Olsson, et Alain Splanato à la batterie qui te suit depuis le début, en fait, qui a fait partie de toute cette formation. Ouais, c'est mon copain, c'est mon pote. Qu'est-ce qui a changé cette nouvelle formation? Nouvelle tonalité pour les compositions? Ça s'est fait vraiment par hasard, parce qu'on a commencé à faire quelques gigs ensemble. Et voilà, il y a cette date qui est tombée ici. Et je me suis dit, on va faire cette date avec cette formation. Ça change. C'est vrai que les compos, mes compos, voilà, j'ai vraiment besoin d'une guitare. C'est vrai que ça change par rapport au projet, le dernier projet que j'ai fait. De l'album Marjorie voilà. Martinez Quartet, où il y avait René Ré au piano. Voilà. Et pas de guitare. Voilà, donc là, je sors un petit peu du jazz blues, et je vais plutôt vers le folk blues rock. Rock and roll. Rock. Voilà. Ces nouvelles compositions vont donner suite donc à un album. Voilà, je suis en pleine préparation. Là, je vais avoir une petite année sabbatique parce que, il y a quelque chose qui pousse là dans mon ventre. Un heureux événement, je vais me calmer, on va dire, pour cette année. Mais pour l'année prochaine, j'espère bien trouver les moyens de faire un album avec de la production, enfin faire quelque chose que j'ai jamais fait, c'est-à-dire vraiment penser avant de le faire, enfin quelque chose de plus réfléchi, parce que jusqu'à présent, en fait, les albums, ils étaient vraiment faits avec les groupes, avec les musiciens. On répétait les chansons et paf, on allait en studio, ça se faisait très vite, comme on a fait avec Jean-Marc et Ronnie, ça s'est fait très très vite. D'ailleurs, c'est toutes les chansons sur l'album, c'est une prise, donc c'est live, tout ça. Et là, j'aimerais plutôt faire un album pourquoi pas trouver un producteur Plus réfléchi, je vais voir. Et cette année sabbatique va te donner l'occasion de composer, je suppose. Exact, ouais. Donc peut-être des nouvelles chansons, c'est une nouvelle expérience. Pas d'être maman, puisque ça ne sera pas la première fois, mais il y a eu quelques allusions au fait d'être maman lors du concert de ce soir. Donc c'est peut-être une nouvelle vision qui va s'ouvrir pour les compositions de Marjorie Martinez. Le fait aussi de me mettre à la guitare électrique, ça m'inspire vachement. Et j'écoute aussi beaucoup... j'écoute les héros, je suis super guitare héros. Lesquels? Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Jeff Haley... Tu as être chanteuse occasionnelle du Nice Jazz Orchestra, néanmoins. Oui, je continue. Pas cette année, je pense, parce que en août, j'aurai accouché, donc. Lyon. Je vais rester avec bébé. Excellent. C'est première. Et donc première partie du concert de Robin McKen, ça t'a fait plaisir parce que je sais, j'ai cru entendre que tu étais fan. Le top. J'adore. Je la suis. Ça fait 4-5 ans que je la suis. J'étais tombée par hasard. Un jour à la FNAC, en écoute, tu sais, ils mettent les nouveautés avec les coups de cœur, machin. J'avais écouté 2-3 trucs et d'un coup, j'avais écouté ça et je me disais, qu'est-ce que c'est, quoi? C'est trop bien. J'avais acheté l'album et j'avais écouté ça un an en boucle dans ma voiture. Vraiment, j'avais vraiment bloqué. J'ai même repris des Walk et on by. Et l'accouchement prévu, il y aura encore des dates de Marjorie Martinez Quartet? Oui, je continue quand même avec Jean-Marc Rony et Alain. On va faire un concert à Cannes-sur-Mer. Je sais plus le nom de l'endroit, mais oui, on continue. J'aime bien faire plusieurs choses en même temps, comme tous les musiciens. Et c'est pas parce que je suis chanteuse que je n'ai pas le droit. Tout à fait. Avec les deux formations en alternance. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Il commence à y avoir un gros follow-up, comme on dit en anglais. Quand même beaucoup de gens qui apprécient de plus en plus ce que tu fais. De plus en plus de gens qui apprécient en fait ce que tu fais. Donc c'est quand même une récompense. Tu es programmé dans beaucoup d'endroits et je pense que il y a quand même une nouvelle appréciation du jazz. Avec ton approche à toi qui devient plus folk blues et qui permet à des gens d'approcher cette musique d'une autre manière, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je,
Je sais pas, c'est peut-être au fil des années et peut-être maintenant, même quand je fais du jazz, en fait, c'est vraiment un côté bien spécifique du jazz où je me sens vraiment à l'aise, c'est le jazz blues, en fait. Vraiment, il faut qu'il y ait toujours ce blues qui soit là. Et voilà, je m'identifie beaucoup à ça. Et c'est vrai que avec le groupe, avec Jean-Marc Erroni, je m'éclate vraiment dans le répertoire parce que c'est vraiment, voilà, il y a ce blues qui est bien présent et que j'adore, quoi. Qui est la constante de toutes les musiques que tu interprètes, finalement. Ouais. Le blues, qu'il soit plus le côté jazzy ou plus le côté rock, ça reste quand même la base sur laquelle tu te reposes. Exact. Voilà. Merci, Marjorie. Ben, merci.